chicos, bienvenidos, salam alaikum, guten tag, welcome, bienvenue sur la chaîne On joue le jeu, où je vais vous montrer Q-Birds avec Board Game Arena. Donc c'est un jeu que vous pouvez vous procurer, un jeu avec des cartes. Je vais vous montrer comment jouer sur Board Game Arena. Donc, on doit poser des oiseaux, vous le savez déjà, puisque si vous êtes ici sur Board Game Arena, c'est que vous avez sans doute déjà joué avec le jeu de cartes. Donc, il va falloir essayer de gagner, c'est-à-dire, vous voyez, on a toutes les envolées ici. Donc, pour gagner, il faut en poser trois oiseaux. Donc, par exemple, trois chouettes, trois flamants roses, d'accord, deux de trois oiseaux, ou alors sept envolées différentes. Il y en a 8, donc ça doit être 7 ou 6, je me souviens plus trop, on va voir ça, vous inquiétez pas. Donc ici sur les cartes, eh bien vous avez les petites envolées, les grandes envolées, le nombre d'oiseaux qu'il y a en tout. Il y a 13 oiseaux et une petite envolée c'est 4, une grande envolée c'est 6. Donc là je vais devoir poser en regardant mon jeu. Donc j'ai déjà un rouge-gorge, une envolée de rouge-gorge. Donc pour prendre des cartes sur la table ici, il faut encadrer des oiseaux. Donc là, j'ai deux rouges, j'ai une pie, donc je vais mettre ma pie ici, ce qui me permettra de récupérer, comme là, j'ai coincé une pie, une pie d'un côté, une pie de l'autre, mais je vais récupérer le canard et le toucan. Alors, je ne peux pas faire d'envolée, donc je passe. Donc, on peut bien sûr tout à fait ne rien poser qui nous permette de prendre des oiseaux. Des fois, on peut juste poser pour compléter une ligne, parce que on ne peut pas en prendre, on ne peut pas en encadrer. Voilà, là, il a mis deux rouges-gorges, il a pris les deux cartes qui étaient entre. Donc moi, je regarde, alors là, on voit ce qu'ils ont eux aussi comme envolé pour l'instant. Donc là, des fauvettes. Alors, quand il n'y a que des fauvettes, vous avez vu, eh bien, on reprend une carte dans la pioche. La première, c'était une fauvette, donc on doit recontinuer à en prendre une, et là, c'est une chouette. Donc là, regardez, je vais prendre mes deux, parce que je peux pas en prendre une seule. Je vais prendre mes deux fauvettes, je vais les mettre ici, ce qui va me permettre de récupérer une chouette, et comme j'aurai trois chouettes, eh bien, je pourrais faire une petite envolée. Donc, je prends mes fauvettes, je sélectionne, alors ça va donner au suivant la possibilité de récupérer plein de fauvettes, voyez, il suffit de mettre un canard ici, mais tant pis, et là, voler jusqu'à la maison. Donc là, j'ai, voilà, deux cartes. Deux cartes. Alors, je crois que c'est au bout de 7. Enfin, on verra si on arrive à mener à terme cette vidéo. Donc là, celui qui a un canard va sans doute le mettre là. Comme ça, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va faire même, et s'il en a deux dans son jeu, des fauvettes, eh bien, il va faire une grande envolée. Ah ben non, il prend le canard. Donc là, il y en a 8. 8. Donc, si quelqu'un a un flamant rose, il pourra le mettre là et récupérer toutes les fauvettes. Voilà, comme ça, il récupère les 8 fauvettes. Ça revient à moi. Alors, moi, je vais récupérer les flamants roses en mettant mes deux rouges-gorges. Vous voyez? Et je vais faire une petite envolée de flamants roses. Parce que là, il en faut que 2. Alors, il n'y a que 7 flamants roses en tout dans les cartes. Là, il en reste 62 dans la pioche. Donc, je sélectionne mes flamants roses et voler jusqu'à la maison. Hop! J'ai déjà 3 envolées. Donc là, pour l'instant, je suis en tête. Donc, j'ai plus que 3 cartes. Attention, quand un joueur a 0 cartes, enfin, n'a plus de cartes, qu'il joue toutes ses cartes, donc là, je pourrais pas les jouer en un coup, eh bien, les autres perdent leurs cartes et des nouvelles cartes nous sont données. Donc, des fois, il faut pas trop garder de cartes en se disant, bah tiens, j'en garde pour faire une grande, grande envolée. Parce que des fois, on perd tout. Vous voyez, là, moi, je peux poser mes deux canards, après, je poserai mon toucan. Donc là, mes canards, c'est pas très intéressant, vous voyez, parce que je peux rien récupérer, vous voyez. Donc là, je pourrais poser mon toucan et récupérer des... Alors lui, il en reste 5, lui, il en reste 3. Je sais pas grand-chose, moi, qui soit intéressant ici. Donc, je vais poser mon toucan ici, comme ça, au prochain. Donc là, je vais rien gagner du tout, parce qu'il encadre rien, il n'y a pas un toucan de chaque côté. Je ne veux pas piocher, je vais passer, car au prochain tour, je ne peux pas faire d'envolée, car au prochain tour, je vais poser ces deux cartes. Comme ça, on va repartir sur une nouvelle manche. Vous voyez, lui, il a 8 cartes. Il va sans doute faire une envolée. Voilà, une envolée de flamant rose. On est revenu à 3 partout.
Lui a trois cartes, donc il a posé un canard, c'est pareil. Donc moi, je vais poser mes deux canards ici, vous voyez. Je ne vais pas les poser là, parce que sinon, je vais récupérer des cartes. Je vais poser mes deux canards de ce côté. Et comme je termine, puisque je n'ai plus de cartes, c'est moi qui vais commencer la prochaine main. Donc je vais les mettre ici en espérant récupérer des rouges-gorges pour récupérer des canards. Donc là, je passe et je déclenche une nouvelle. Donc c'est pareil pour le jeu de cartes, hein. C'est exactement le même système. Vous voyez, j'ai trois canards ici. Donc je vais mettre, j'ai deux rouges-gorges, je vais les mettre ici. Les rouges-gorges ne m'intéressent pas, j'ai déjà une envolée, vous voyez, de rouges-gorges. Donc je vais prendre mes deux rouges-gorges, car quand on prend, on ne peut pas en prendre un seul. On doit prendre toutes les cartes de la même espèce. Je vais les mettre ici. Et je vais récupérer trois canards et un toucan. Comme ça, je ferai une grande envolée de canards. C'est-à-dire que je vais en récupérer deux. Voyez, là, je vais faire une grande envolée de canards. Donc, je vais en récupérer deux ici, voyez, dans mon jeu. Et si j'en ai un autre et qu'après, par exemple, j'ai trois flamants roses, eh bien, j'ai gagné. Hein, si j'ai deux séries de trois cartes identiques, j'ai gagné. C'est une autre manière de gagner. Alors, pour l'instant, j'ai une, deux, trois, quatre espèces différentes. Alors, il en faut 7. 7 ou 6. Hein. C'est toujours le dilemme, je m'en souviens pas. On verra ça à la fin de la partie, car là, ça fait 6 minutes, ça avance pas mal. Donc là, qu'est-ce que j'ai à récupérer? Voilà ma main. Les toucans, il en faut 3 sur 4. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai rien pour encadrer. Là, je suis pas très très bien. Bon, ben, je vais mettre un toucan ici à récupérer des pies. Ouais, ben là, je suis pas terrible terrible. Bon, je vais mettre un toucan, récupérer des pies. Ce qu'il y a, c'est que je donne deux toucans. Bon, je peux pas faire d'envolée. Donc là, les suivants, ils en sont ouf. Ah, lui, il a quatre envolées aussi. Lui, il en a que 3. 5 cartes, 7 cartes, 6 cartes. Bon, là, j'ai pas grand-chose encore au prochain tour. Si, des rouges-gorges, mais ça m'intéresse pas trop. Ah. Donc là, il lui reste 6 cartes. Donc là, il peut piocher 2 cartes. Hein. On peut poser et piocher. Oui, tout à l'heure, j'ai pas pioché. Moi, j'aurais peut-être dû. Ah, mais non, j'ai encadré, pardon. Ah, une envolée en plus. Non, c'est une envolée de perroquet. Donc, qu'est-ce que je peux faire de beau? Reprendre des rouges-gorges. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Je peux pas faire d'envolée. Si je pose mon flamant rose ici, hop, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Bon, je vais piocher 2 cartes. Bon. Passer, je peux pas faire d'envolée. Aïe, 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 aïe. Lui, il en a 3. S'il a les 3 mêmes, je vais perdre toutes mes cartes. Oula, là, ça pose, ça pose. Là, il a pioché ou pas? Non, il pioche pas. Oulala, lui, il encadre les rouges-gorges. Sans doute faire une envolée de rouges-gorges. Non. Alors, qu'est-ce que je peux faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, là, ça me ferait 4 pis. On risque de pas faire le tour suivant. Bon, allez, hop, je vais mettre mes 2 pis ici. Est-ce que j'ai des pis, moi? Ouais, il m'en faut 5. Je peux pas. Bon, je vais faire ça. Je vais récupérer les rouges-gorges. Je vais faire une envolée de rouges-gorges. Deux envolées de rouges-gorges, deux envolées de canards. Il me manque une envolée de canard, une envolée de rouges-gorges et je gagne. Aïe, là il y en a 5. S'il y a un flamand, il va mettre ici. Combien il me reste de cartes? 3 cartes. Hop, il a posé ses 3. Nouvelle manche. Donc je perds toutes mes cartes. Bon, c'est pas grave. Ah non. Ah non, il n'a pas posé ses cartes. D'accord, bon. Je croyais qu'il en avait posé 3 d'un coup. Lui, il n'en pose qu'une. Il en pioche 2. Je peux rien faire d'intéressant. Je vais mettre les deux fauvettes ici. C'est pas des rousserolles, désolé. Et je vais passer. Je vais pas piocher. Comme ça, au prochain tour, je mets mon perroquet. Et avec un peu de chance, je recommence la manche d'après. À moins que lui pose ses trois. Voyons voir.
Wang Sheng. Wang Sheng, ouais, il est mal barré, Wang Sheng en plus. Non, Wang Sheng en a posé une pour en piocher deux. Oh, ça, c'est pas terriblement bien joué. Bon, lui en a 7, donc il va pas faire une. Il va pas en poser. Ah, moi qu'il en pose une pour en récupérer. Je sais pas, on va voir. Elle pose une pie, donc là, peut-être faire une envolée de flamand. Bon, ben là, je vais poser mon perroquet, comme ça j'aurai la main après. Alors, mon perroquet, je vais le poser là. Et là, hop. Vous voyez, lui a 4 cartes, lui 8 cartes. Ils les ont accumulées pour pouvoir peut-être faire une envolée plus tard. Ben non, paf. Moi, je déclenche une nouvelle manche. Oh, j'ai 3 toucans, j'ai une pie. Super, je vais mettre ma pie ici. Donc, je vais récupérer 2 toucans. Donc, je vais faire une grande envolée de toucans. Ce qui fait que j'en aurai 2. Donc là, c'est pas mal, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5 espèces différentes déjà. Donc si c'est 6, la prochaine espèce que j'ai récupère, j'ai gagné. Si c'est 7, il m'en faut encore 2, je me souviens plus. Hein. Sinon, bah, vous voyez, j'ai 2 toucans, 2 canards, 2 rouges-gorges. Donc si je récupère un rouge-gorge, un canard, un rouge-gorge, un toucan, un canard, un toucan, j'ai gagné. Donc c'est pas mal. Ah, là, je vais récupérer 1, 2, 3, 4, 5, en mettant mon perroquet. Je vais mettre mon perroquet, je vais récupérer 5 fauvettes. Je peux pas faire d'envolée parce qu'il m'en manque une. Mais je ne suis pas mal du tout quand même dans cette partie. Un peu d'autosatisfaction. Ah, donc là, il va faire une envolée de perroquet. Si c'est lui. Ah non, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Alors, est-ce que j'ai possibilité ensuite? Oui, je pourrais mettre une chouette ici pour récupérer 2 fauvettes. Si Emma Archie ne me prend rien. Donc Emma Archie, qu'est-ce qu'elle a? Une pie. Oh. Zut, elle m'a pris là où j'avais besoin. Lui, les flamands, il en a. Bon, si je mets mon flamand ici, je vais récupérer 3 pies. Ouh là là, ça, je commence à avoir un paquet de cartes dans mon jeu. Je peux pas faire d'envolée. Allez, vais-je me faire battre sur le gong, enfin, au finish. Super jeu, hein, c'est un jeu très agréable. Ah, donc Emarchi doit poser des oiseaux. Donc lui, il manque une pie, un flamand. Alors, voyons voir, la situation s'est-elle éclaircie pour moi? Oui, je peux mettre ici, vous voyez, des rouges-gorges pour récupérer une fauvette. Je récupère une fauvette, je fais une envolée, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce la victoire? Eh non, il faut donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut 7 espèces différentes. Donc j'avais bien raison dès le départ. Voilà, donc la nouvelle manche. Moi, il m'en manque une. Normalement, ça devrait le faire. Il me faut une espèce encore. Ou alors une pie, vous voyez, des pies. Non, c'est là mon jeu. Pardon, ça c'est mon jeu. Donc là, deux rouges-gorges, deux canards, deux toucans. Oh là, un toucan, ce serait ferait 3 toucans si j'ai un rouge-gorge. Ouais, je pourrais poser mes 3 rouges-gorges. Ça va être chaud bouillant, ça va être serré. Donc lui pose un toucan, il récupère rien. Pioche. Donc, qu'est-ce que je peux récupérer? Moi, les perroquets, c'est pas terrible, hein. Bon sens, j'en aurais bien besoin. Ben, je peux récupérer un toucan en mettant des rouges-gorges. Donc là, ça me fera une envolée de toucan. Donc j'ai 3 toucans. Il me suffit d'une envolée, il me suffit d'un canard ou d'un rouge-gorge pour gagner. Mais les autres, où est-ce qu'ils en sont les autres? Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon. Je suis quand même pas mal placé sur cette partie. Donc c'est à Emarchi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, non, ça risque rien. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 espèces différentes.
Les rouges-gorges, est-ce qu'elle fait une envolée de rouges-gorges? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh là là, il lui suffit d'une envolée encore et c'est gagné. Aïe, 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 les chouettes. Oh là là, j'ai pas de perroquet, sinon j'avais gagné. Non, j'avais pas gagné. Oh là 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 là, je vais perdre sur le fil. C'est pas possible. Si je mets un canard ici, je vais récupérer tout ça. Ça m'intéresse pas. Aïe, 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 c'est les pies, mais il n'y en a pas. Ah là 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 là, des fois ça se goupille pas terrible. Là j'ai pas de perroquet, sinon j'aurais récupéré les chouettes. Bon, qu'est-ce que je vais jouer? Bon, je vais jouer un canard ici, je vais récupérer tout ça, mais ça me sert à rien. Aïe, 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 regardez bien la défaite sur le fil. La défaite sur le fil pourrait bien arriver parce que lui, il n'a pas de flamant rose. Et là, il y a un flamant rose, donc il suffit qu'il ait un canard. Hein, il suffit qu'il ait marchi et un canard. Ouais, il a 134, ouais, bon. Là, on va voir si elle a un canard, elle récupère un flamant et c'est gagné. Puisqu'elle aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième espèce. Oh là là, elle n'a pas de canard. Oh là là, elle peut faire une envolée. Et voilà. La partie est finie car Remarchi avait 7 espèces différentes. Voilà comment je joue Q-Bird. Au revoir, à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aller suivre les autres vidéos où j'explique des jeux sur Board Game Arena. Merci.